Alors je suis en bord de l'étang Saint-Paul, tiens, je vois une petite hirondelle qui rase les flots là qui s'élèvent, mais qui chassait en bord de surface. Voilà donc je suis sur la passerelle de l'étang Saint-Paul et je filme la partie de la clairière au cocotier, mais du côté est, dirons-nous, parce qu'il y en a une autre de l'autre côté par ici. On voit dépasser les cocotiers là derrière. Voilà, là c'est la partie éblouissante du coucher de soleil. Il fait un temps relativement magnifique. Tout bleu, tout bleu, tout bleu. Voilà, le ciel est bleu, bardé de ferraille. Vers l'océan, vers la montagne. Alors on peut entendre une poule d'eau par là-bas qui gueule et il y en a une autre dans un autre endroit qui lui répond. Alors ici, alors des petits joncs. Et ici aussi ça pousse, là il y a une petite île qui s'est formée et c'est vert. Les montagnes sont hyper dégagées. Là, il y a un petit feu là-bas à 1000 mètres, une petite fumée. Alors en face, c'est la route, le petit pont routier qui passe au-dessus de l'étang Saint-Paul par là-bas. Et à l'arrière, on voit les hauts du chemin des Tours des Roches là-bas. Et puis il y avait un petit cratère. Le reflet des arbres dans l'eau. On entend une poule d'eau là. Ça vit dans ce petit étang. Bon, je crois que c'est pas mal pour finir comme ça.